Bon, Ligne 7, c'est un cabinet de recrutement, hein, c'est bien ça? Exactement. On intervient sur la zone océan Indien, donc La Réunion et Mayotte. Bon, bien. C'est quoi la particularité du cabinet? Alors, j'aime, pour présenter les particularités du cabinet, parler de nos valeurs, parce que c'est ce qui nous anime au quotidien, donc passion, action, ambition. Donc la passion, parce qu'on kiffe ce qu'on fait. L'action, pour accompagner les entreprises et les talents à créer la rencontre. Et l'ambition, parce qu'on a vraiment envie d'être en avance, quoi, d'aller innover, d'aller chercher de nouvelles modalités de recrutement. J'ai vu que vous étiez plutôt sur les profils cadres, non? C'est ça? C'est ça. Et j'ai vu surtout que vous avez lancé les premiers événements. Ouais, ça y est, on a lancé les premiers événements. Ça a cartonné, donc ça c'est cool. On a d'autres là qui vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on a lancé aussi, tout récemment, la plateforme RH pour faire le lien entre nos candidats et nos clients. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, je vous avais dit, j'ai halluciné sur le dynamisme du marché. Moi, je pensais que c'était en mode cool, là, on a la plage et tout, il fait beau, cocotier. Je pensais que ça allait être chill, en fait, pas du tout. Non. Ça bouge, ouais. J'ai fait le tour de l'atelier en revenant il y a quelques mois. J'avais moi aussi des approches sur le marché. Ouais. Ça cartonne, ça bouge de partout, ça recule de partout. Il faut suivre, c'est sport, mais c'est cool. Toi, du coup, t'es rentré sur la Réunion il y a combien de temps? Il y a quelques mois de ça. Quelques mois. Non, ça bouge de partout. Il y a plein d'opportunités d'emploi et de construire sa carrière. Parce qu'en fait, les boîtes sont aussi en train de vivre un grand changement, et de construire, tu vois, la Réunion de demain ou Mayotte de demain. Et il y a des secteurs qui ont des vrais besoins de compétences dans la transition écologique, dans le numérique, dans la santé. Et il y a tout ce qu'il faut pour construire sa vie pro, quoi, en fait. Donc ça bouge, quoi. Ouais, clair. Bon, et sinon, Ligne 7, quoi, le nom de la boîte, c'est plutôt cool. Ça vient d'où? Il y a une histoire à ça? Ouais, évidemment. Évidemment. Et on a envie de l'entendre. Ah, bah écoute, quand tu montes ta boîte, comme tous les créateurs, tu vois, t'as des moments de pression à se dire qu'est-ce que j'ai envie de trouver. Et si tu veux, moi, j'ai toujours considéré la carrière comme un voyage. Et le terme de ligne de train, parce que j'ai fait beaucoup de train quand j'étais jeune étudiant, c'est vite imposé. Le 7, parce que tous les beaux événements de ma vie sont passés des 7. Okay. Donc il y avait naturellement une connexion là-dessus. Et avant de déposer le nom de la société, le petit check sur Internet pour se dire qui d'autre que moi aurait pu avoir cette idée lumineuse. En fait, le métro de New York, la ligne 7 du métro de New York traverse toutes les communautés. Et là, c'est devenu une évidence parce que c'était un parallèle immédiat avec ce qu'on vit sur La Réunion. C'est un très, très beau message, ça. Merci, ouais. C'est cool. Bon, et du coup, pour vous contacter? Pour nous contacter, c'est simple. Sur ligne7.com, tout simplement. Bon, logique. Bon, ouais, j'étais super content, les copains, de faire Merci, cette vidéo Karim. Avec vous. On est bien, là. On est installé à La Réunionnaise, sur la plage. C'est beaucoup, ça, ici. Ouais, carrément, ouais. Vrai, ok. Donc très très cool les copains, j'espère que vous avez kiffé regarder la vidéo. Comme nous on a kiffé l'affaire, n'hésitez pas du coup à suivre l'ensemble de nos contenus et je vous dis à très bientôt. Bye. Salut.